Et bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode. Et je vous avais dit dans l'épisode d'avant que c'était le dernier. Mais en fait, non, il y a deux trucs que je voulais faire dans ma ferme et que je n'ai pas fait. Et que du coup, on va le faire pendant cet épisode. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais envie de faire une petite ferme avec un vrai bâtiment. Donc il va falloir qu'on achète un bâtiment, une ferme pour pouvoir avoir un lit, un truc pour dormir, enfin avoir une petite maison quand même, on l'a pas. Et j'avais envie d'avoir des vaches. On est parti. Nous voilà du coup avec le jeu lancé. Donc du coup, entre le dernier épisode et là, il n'y a pas eu de off parce que je pensais que ça allait être le dernier épisode, mais je me suis rappelé en faisant le montage, j'ai qu'un corps pour stocker des tracteurs où d'ailleurs il n'y a rien de rangé, il va falloir qu'on range. J'ai pas de maison et j'ai des poules et j'avais envie d'avoir des vaches. Donc on va tout de suite regarder combien qu'il nous faudrait de... Non, c'est pas là-dedans. C'est dans l'achat, voilà. Les bâtiments. Alors, il nous faut une ferme. Tout simplement, 180, peu importe la ferme, voilà, c'est 180 nous faut un corps de ferme. Donc voilà, il nous faut 180 pour le corps de ferme. Ok, je voudrais un enclos de vache. Donc lui il a 100 000, lui il a 300 000. On peut mettre 50 vaches, c'est déjà bien 50 vaches. On va essayer lui, 100 000. Donc il nous faudrait 280 000. On a 30 000. Et ben, on va faire des missions et faire pousser le champ. Je crois qu'on a que ça. Nous revoici là où j'ai fait un petit off tout simplement, où j'ai emmanché plusieurs missions et j'ai gagné 75 100 dollars. Voilà, donc ce qui m'atteint à 97 actuellement. Donc on n'est pas loin des 100, on va bientôt pouvoir avoir les vaches. Je suis pas du tout au-dessus, je suis au-dessus, ils se vident. Et j'ai commencé à moissonner tout mon champ. Donc voilà, donc là j'ai déjà la moissebotte de plaine, donc du coup. Je la vide, j'ai déjà vidé une petite benne de... Je crois que je l'ai mis dans le silo de soja. Voilà, il y a déjà 5400 dans le silo, je les ai vidés. Et là, j'ai rempli la mauvaise bête à fond. Donc, on va finir le champ. Et je pense même qu'on va pouvoir aller peut-être vendre directement une première benne. Hop là, et on est reparti. Et nous revoici après ce petit accéléré, voilà où j'ai fini le champ. Là, je viens de mettre directement un ouvrier dans le tracteur pour ressemer. Voilà, on perd pas de temps, on ressème immédiatement. Là, j'ai une benne pleine. Le soja, il se vend pratiquement 3 000 à l'élévateur à Grasse. On va aller la vendre. Elle est là-bas. On va y aller, mais direct vendre ça. Ça va me faire gagner un petit peu d'argent, pas mal là. 3 000 x 12, ouais, plein même. Avoir un bon petit billet de 30. Nous voilà arrivés. On décharge. Et là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Un petit 30 000, ça pourrait être cool. Ouf. Ça continue de monter. Ouh, on a vidé que la moitié en plus. On a déjà 20 000 là. Je pense qu'on n'est pas loin des 40. On est entre 30, peut-être 35. 35 600.
Ok, bah en fait exactement comme l'autre d'avant que j'ai fait, donc ça m'a fait deux fois, l'autre était à 35 500, ça a monté un petit peu, bah, cool, 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 cool. Donc nous voilà revenus ici, et il est temps d'acheter en fin de compte cet enclos, voilà vraiment pour les animaux. Alors enclos, vache 100 000, du coup j'ai 60 000 de plus, parfait. Oula, il prend de la place. Alors, je vois qu'il y a un petit truc en bas, là aussi, là, et sur le côté. Ok. Je vais pas m'emmerder, on va le poser comme ça. Hein. Ça fera un beau petit morceau. On teste? Allez. On teste là. Parfait. Ah ouais, c'est encore fait un bon truc pourri en terraforming. On adore, on adore. On va démarrer le petit mode paysage. Hop, on va repeindre ça là. On va supprimer le champ. De toute façon, à cet endroit-là, le champ, on n'a plus vraiment besoin. Et puis, bah, ouais, là, alors là. Là, le petit souci, c'est que ça fait une espèce de pente bien pourrie. Donc on va tout mettre en herbe. Voilà, la partie du champ là a disparu. C'est pas très très grave. C'est pas gênant. On va essayer de lisser un petit coup là tout ça. Vite fait. Bon, le but n'était pas vraiment de d'avoir un beau terrain tout bien propre. Hein, voilà. De pouvoir démarrer ses vaches. Alors, ok. Je ne sais pas du tout ce qu'il leur faut. On va juste en prendre deux avec la livraison. Oh, c'est pas très grave. Vraiment par curiosité pour voir ce que ça donne. Donc, normalement, elles sont deux. Ouais, il y en a une dans l'enclos. Cool. Ok, je pense que c'est là que j'aurais récupéré peut-être le lait. Là, il y a. En espérant que le menu va nous dire ce qu'ils ont besoin, parce que là. Conditions, ils ont besoin de la propreté. Ça, ok. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin de paille. Oh! Ration totale mélangée. Foin ensilage. De l'herbe. Ils ont besoin de 20 millions de trucs. Mais j'ai pas tout ça, moi. Hop là. On vient de vendre le dernier reste de chocolat qui me restait un peu. J'en avais 5 000, ça me fait quand même 14. Je suis dans le mur, voilà. C'est ça de ne pas boire avec un arbre. Et on va se rendre directement chez concessionnaire où j'ai acheté pas mal de petits trucs pour les vaches. Voilà, je me suis dit, j'ai pas de quoi faire cultiver, j'ai pas de champ, tous ces trucs-là. Donc, on va acheter et on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai la remorque comme ça. On va peut-être modifier la remorque. On va la remettre en plateau. Juste pour transporter les ballots de paille là. Elle est pas très propre, hein. Mais ça, c'est pas grave. On revient à l'avant du magasin. C'est vrai qu'un atelier, j'aurais pu en acheter un dans ma ferme. On n'en a pas acheté, c'est pas très grave. Vu qu'on est sur les fins d'épisode, c'est pas gênant, gênant de ouf. Et on va charger tout ça. Alors, tu vas t'éteindre. Normalement, j'en ai pris deux de choc. Hop, on va essayer de bien le placer. Parfait. Alors, par contre, je ne sais pas si la tonne à eau, je peux l'équiper derrière. Je ne crois pas que
Je crois pas que cette remorque est équipée d'un crochet d'attelage. Non, non, ça aurait déjà mis le point A. Bon, on va déjà ramener ça. Et on va revenir. Je sais plus parler. On va revenir chercher la tonne à eau. Qui va où? Alors là, je pense qu'on devrait pouvoir y poser peut-être. Non, pas du tout. Peut-être toi? Je vais aller faire un tour dans le wiki, parce que là, depuis tout à l'heure, je ne comprends pas. Bon, on se retrouve là avec la petite empailleuse. J'ai tout mis sauf l'herbe, car je n'ai pas d'herbe et elle ne s'achète pas. Donc normalement, là, si je mets la paille... Alors... Ok. Voilà. Donc là, la paille se vide tranquillement. C'est parfait, ça monte. C'est... Ah, ça y est, c'est... C'est complet. C'était pas ça que je voulais faire à la base. Donc du coup... Là, mes deux vaches vont produire plutôt pas mal apparemment. Je n'ai pas d'herbe. Du coup, c'est les blocs à 80%. Ok. Ils produisent le fumier, il a 0, le lisier 5 et du lait 2. C'est pas énorme, énorme. Le lait, il se vend à combien par curiosité? Il est là. Donc c'est les 1000 litres, ça se vend 2000. S'il m'en fait deux, c'est pas tout de suite rentable, hein. Vaudrait mieux avoir... Me, oui, me, je suis content. Vaudrait mieux avoir, en fait, des champs, tout ce qu'il faut pour nous-mêmes les nourrir, éviter d'acheter. Et surtout, là, d'acheter tout ce matériel. Ça m'a ruiné. Mais ça m'a ruiné. Là, il me reste 15 000. Avec les 15 000, on va racheter deux vaches. Venez. On n'est plus à ça près. Hein. On va acheter deux blanches, tiens. Hop. On va mettre 6. Ça fait un billet de 10 000. Parfait. Avec la livraison, nous avons nos 6 vaches. Donc comme ça, toute bête, j'ai un emprunt de 100 000 à rembourser. Qu'il va falloir qu'on rembourse. Donc je pense que je vais pas mal charbonner dans le champ à côté pour essayer de récolter pas mal de petites choses. D'en mettre de plus en plus et de rembourser les 100 000 avant le prochain épisode avec Starkey. Et surtout, du coup, là, c'est officiel, ça va être le dernier. On n'aura peut-être pas la maison, peut-être qu'on va essayer de la faire à la maison avec Starkey dans la ferme des Nullos. Ça pourrait être marrant de la faire, peut-être pas ouais, de mon côté, mais de son côté. Voilà, on verra bien. Donc, du coup, et ben moi, sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Ce tracteur, il va tomber en panne d'essence, je sens bien, il a plus d'essence. Donc du coup, on va s'arrêter là. Un grand merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Voilà, c'était le petit épisode des vaches à la ferme. On n'aura pas fait la maison, mais on va essayer de la faire avec Starkey. Et surtout, d'ici le prochain épisode, il faut que je rembourse cet emprunt de 100 000 euros. Et ça sera parfait. Sinon, on sera obligé de refaire un épisode. Voilà. Grand merci à tous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.